C'est la poupée sans que je ne... Ça a coupé. C'est quoi The Evil Princess? L'autre c'est quoi? C'est pas Evil Princess, c'est Revenant Princess. Donc la Evil Princess c'est quoi? もちろん。どうか。そこの2人。いや、そもそも完全に。失礼しちゃうな。レからも。私も。なんで?そういうところじゃ。もう私の話は。またでた。なんでこのタイミングな? Qu'est-ce que vous voulez cette fois? En plus, là maintenant que tu sais que eux ils savent tout, en même temps, ça aurait été bizarre qu'ils savent pas que c'était la Revenant Princess. Parce qu'au départ, c'est vrai. Yuki no. Nanana, kiita koto a? Donna ni tamashii ga hoshikute mo, Kokoro-san. Kimattoru. Anamnesis. Uchi ga kono. C'est vrai qu'en vrai, la revenante princesse, elle l'a entendu. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, elle l'a entendu là-bas. Voilà. Allez, je vais encore me faire une joie de tout décapiter. Allez, viens. Ça, quand j'aurai les armes rare 3 là au maximum, là moi je vais découper du monstre. Mais là en ayant du stuff rare 2, rare 3, c'est pas non évolué, c'est pas cool quoi. Alors je tiens à m'excuser pour la coupure internet. La PlayStation a eu une erreur, donc du coup bah ça a coupé le live en deux. Bien sûr, je mettrai les deux parties sur YouTube le même jour. Donc vous n'aurez pas à attendre pour une même partie. En espérant que ça vous gêne pas trop. Voilà. Non, attends. T'es sérieux là? Non mais viens là. Donne-moi des... Allez, let's go, on y va. Allez, je vais taper un peu avec elle, histoire qu'elle soit niveau 50, parce que j'ai envie qu'elle soit niveau 50. Yes. Niveau 50, ça c'est bien. Au niveau 50 avec lui, je crois. Hein. Ouais. Ça par contre, attends. Ah,
Allez, viens. Ouh, t'as pris ta rifle là. Bon bah maintenant donc... Bah vas-y, tape hein. Vas-y, prends ta rifle là, voilà. Mite. Mite qui dit, mite. Voilà. Ok, d'accord. Je continue sur la... ouais, on va faire ça. Non mais... Ah, les deux, ils sont morts. Ça, c'est bien. Allez, let's go. Par contre, on va un peu changer. Allez, viens. Allez, Mano. Allez, vas-y. Alors, ce que je voulais vous raconter... C'était même pas ça, la base. Ce que je voulais vous raconter, c'était... Ah quand même je fais bien plus de dégâts hein. Là je le vois la montée de l'arme. Enfin j'ai pas monté l'arme, j'ai juste Attends quoi? Oh non, c'est un champ de fleurs quoi, attends. Voilà. Ok, attends, on va aller en haut. On va aller en haut. Ça promet des choses un peu plus intéressantes. En haut. Attends. Allez, mange. Oh, c'est bon. Elle prend. Vas-y, mange. C'est bon.
Ouais, d'accord, donc là je peux y aller sans regret, c'est un truc bonus. C'est un truc bonus avec plein de trucs qui va pas. Que comme ça. Ok. Je le prends. Ah d'accord, ok. Je vois. Bon bah on va aller sur la droite avant d'aller sur la gauche. En tout cas, cette montée en puissance, moi ça me va bien. Cette montée en dégâts accrus là. Allez, vas-y, viens, je te défonce, toi. C'est bon, tu l'as, mon truc, là. Tu l'as, c'est bon. Let's go. Ah non, c'est bon. C'était juste l'escalier qu'il fallait. Ok, allez, vas-y. Oui, je continue un peu avec. Non ben je sais pas, c'est pas rallonger la durée de vie que de faire ça. Alors, tu veux dire que là, ça... Alors Ray, attends, je vais te soigner, t'inquiète. On va te soigner. Je crois que c'est la voix des...
Des boss, hein? Enfin, des boss, ouais, des... Oui, non, là, c'est bon. Ah, là, je fais du 500, là, ça fait plaisir, au lieu de, que du 400, là. Eh bien, je dis ça et tout ça fait... N'empêche, à quel point ils avaient tout prévu en fait. Parce qu'en vrai là on joue le, bah, le jeu des deux, comment on joue le jeu des deux, filles en fait, des deux démons, des jumelles quoi. T'inquiète Charles, je vais te taper jusqu'à ce que tu ramasses tes dents. Mais je le fais uniquement pour... J'ai pas le choix que de le ramasser, d'accord. C'est pas grave, au moins ça m'aura fait de l'XP. Ça m'aura fait de l'XP pas cher. Ok, donc la prochaine à évoluer c'est nanana, d'accord. Bon bah on peut faire nanana dans ce cas-là. Attends, quoi? Eh non, non, je suis pas d'accord. Là je suis, mais alors pas du tout d'accord. Ah puis ça c'est vrai, je l'avais pas. Bon on en reprendra alors. Nanana, onegai ne. Iku yo. Et forcément fallait des trucs qui me courent partout parce que c'était pas amusant de me foutre que des fleurs. Elle peut, même parce qu'elle veut pas mourir. Donc bah, puis non, hein, je vais pas la refaire combattre tout de suite. Je suis pas fou. Alors. Ça. Ah. Ah. D'accord. On va faire comme ça. Non, tu sais quoi, on va faire comme ça. その、あ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 
Allez, maintenant là, ça va frapper. Je crois que je fais mal. Si c'est le cas, mon gars, là... Ah, j'avoue que là c'est bien. C'est bien joué d'avoir fait ça. J'adore ce texte. Donc eux ils sont bien pour Anamnesis hein. Soyu namba Kokoro-san Anamu sonna aitsu. Seja onegai, watashi ni makasero. Ah, c'était cool. Non mais c'est bon là, genre...
Alors apparemment, elle a pris un niveau, Mustinguette, là. Ouh, ça sent... Oula, il a pris de la... Oula, si je fais 500 par épée... Oula. Je l'ai adoré ça. De toute façon, je l'aimais bien, ça, de base. Si j'arrive à potentiellement à faire des petits dégâts, enfin des gros dégâts avec ses épées invoquées à la Netflix, ça peut être sympathique. Kokoro level, ah c'est cool. C'est-à-dire que quand elle sera dans le mal, elle pourra se faire reprendre par une... En attendant qu'elle soit dans le mal, je vais continuer à combattre. Hein. Sans souci. Non mais attends. T'en as un juste là. Alors, attends qu'il soit vers toi. Voilà. Et là maintenant, c'est elle. C'est bon, hein, tu m'as tapé, hein, saloperie. Ah merde. Ok. Allez hop. En avant. Voilà, ça c'était sûr que les attaques magiques ça allait lui faire bobo. Par la droite. Ou pas? Eh vas-y! Non! Putain! Ah, dans le mal! Merde. Je sais ce qu'il faut. Ah, toi, t'aimes pas la magie. Toi, je l'ai vu, donc. Ouais. J'ai vu que t'aimais pas la magie, donc je suis bourreau de magie. Non mais. Ah, tu peux plus bouger là, t'es con. Allez, vas-y. Allez, hop. Nickel, allez. On va par la gauche. Ah, là par contre, je prends. Ouais, même s'il me remarque, c'est bon. Et en plus, il m'a pas remarqué, ce con. Allez, Eliphas.
il est temps d'écrire ta prochaine farce. Alors, ok, ça me va bien. Attends, je suis pas revenu au début là. Si, je suis revenu au début. Bon, au moins, j'ai monté le niveau, ça c'est pas mal. Elle, elle a pas encore de. Ouais. Elle a pas encore. Elle est pas encore arrivée à. Elle est pas encore arrivée là où elle doit être, quoi. Ouais, yes. Non. Je veux pas. Je veux pas de ça. Ouais, non, je voulais pas la perdre. C'est bon, le truc, ça coûte 3000, c'est bon. J'espère que c'est juste pas avec elle que je me retrouve bloqué, sinon ça va être la foire. Ouais. Hmm. Ça sent le cocoré. Elle se met en mode. Oui, et là pourtant elle se présente avec l'auréole, alors que à la première run elle se présentait sans l'auréole.私は大丈夫だ。ナナナもピンピン。レイは無事か。レイちゃんも大丈夫そう。すみません。気にやむことではない。そうだよ。でもレイちゃんはそれぞれ進むしかないようだな。了解だよ。心さん。レイのこと任せといて。単位は。センちゃんとナナナも気をつけて。フェラーンポティーゼ comme ça c'est bien mais bon c'est pas cool mais bon ça me fait plaisir quand même. Donc là, notre sœur est apparue et en mode ouais, soit plus désespéré, elle te fait mais what the fuck, mais non. Non, mais elle apparaît pas comme ça. Je veux dire, là, en faisant ça, en fait, elle s'est volontairement cramée. Enfin, elle s'est dévoilée, on va dire. Hein, pour être plus précis, elle s'est dévoilée. Alors que normalement, non, tu te dévoiles pas comme ça, quoi. Parce que à la base, l'autre elle se fait pas avoir comme ça. Enfin, il me semblait pas. Mais... Ben non, t'as de toute façon Sweet Chocolate. Il faut utiliser du Sweet Chocolate. Ah bah, c'est très bien. Hein. Moi, je vais utiliser ton Sweet Chocolate. Hein. But sweet chocolate. Là en fait ouais là elle s'est cramée en tant que revenant princesse quoi. Enfin elle s'est cramée en tout cas en tant que. Comment ça? Que en tant que. Elle s'est cramée en tant que. Que revenant.
Non mais t'es sérieux là? Elle vole encore pour moi, saloperie. Voilà. Ah c'est bon, là, tu cours plus là. Hein. Allez, là, tu cours plus là. Mirai-chan. Doko? Mirai no son demo. Saki aeta toki mo watashi zettai ni mata saikai dekiru. Kokoro-san. Watashi so omou kedo mirai ni iwaretan desu. Sore wa sasuga Mirai-chan to menshiki nai kara donna ko ka wakarahen kedo. So desu yo ne. Eh. Koko de kangae kondete mo shikata. Sono mae ni koitsura anamnesis ni shippo futte yuuki no hime warera ga tsukaeru wa modorareta yuuki no hime warera ga tsukaeru ni douyu koto ya. OK, OK, donc eux en fait ce sont des girouettes. Anamnesis no teshita yattan chau no sore ni wareba warera wa subete yuuki no hime no wareware wa wareware no na kazu ousugi yaro. Herakleitos, kore de 3. Waga aruji yo. Tamashii. Oh, ça va, je vais pouvoir en tuer quand même. Par contre. Allez, Arcticus là, allez, on bosse. Ce qui serait bien, ça serait de combattre Mirai au bois, tu vois. Comme ça, après, on pourra faire autre chose. Parce que bon, Mirai, elle s'est déjà cramée auprès de nous, quoi. Donc pourquoi s'embêter Ça va durer longtemps, mais c'est pas grave. Je vais te taper quand même. Ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait pas Bourbaki à refaire encore, mais je suppose qu'on va les revoir, les Bourbaki. Est-ce que c'est une nana t'a appelé? Non, ils n'ont pas fait. Je les ai appelés pas mal de fois, mais elles n'ont pas répondu. J'essaye aussi. S'il te plaît. Peut-être qu'ils sont en train de se battre dans le purgatoire.
Je peux pas imaginer que ces deux partent contre des revenants, mais quand même. Maintenant, ça fait des trucs de ouf. Ah oui, d'accord. Alors, les blancs, ce sont des rares 1. Les rouges, ce sont des rares 2. Et les rosés. Les rosés blancs, c'est du rare 3. Si je comprends bien. Oh non, mais je veux pas ça. Quoique aussi, Machado, oui. Ah, entendre ça, ça me... complète mana. Oui, d'accord. Mana, on en avait pas déjà. On en avait pas déjà du mana. On va éviter, on va faire la dernière. Attends, fais voir le new déjà. Qu'est-ce qu'on a eu en plus là? Eliphas, mais qu'on n'a pas retrouvé ici. C'est con, mais il me le faudrait. Virgile, là. Ah, ça, je sens que je vais pas adorer. Alors, revenons qu'il y ait d'un petit garçon qui est mort par négligence. Ah, là, par contre, c'est bon. Egel. Le revenant d'une femme qui est partie. Un homme qui voulait donner la vie à sa fille et donc a voulu la résurrection. Après avoir donné la vie, elle est morte. Elle avait une fille bien aimée. Le père était marié avec une famille. C'était une erreur. Il ne savait même pas à propos de l'enfant. L'homme était un procureur qui semblait prendre soin d'elle, mais qui était troublé, enfin qui était bizarre. C'est ce qu'elle a... enfin... Elle était celle qui avait fait démarrer cette relation. Ah non, donne-moi ça. Elle a gardé donc l'enfant seule pour elle-même. Elle était inquiète pour sa fille. Et même dans la mort, le nom de son enfant est resté un motif d'espoir pour le futur. Pourquoi pas ?
誰に連絡しましょうか。はい、d'accord. On essaye et puis on va pas les avoir, quoi. Ça n'est pas pas de. Par ici, ça paraît pas de. Je pense qu'elle va pas répondre. Is not connecting. Oh mince. Affection point. Ah. Ça par contre, je l'avais jamais eu ça. Affection point. Je l'avais jamais eu. Et j'avoue que ça, je ne l'avais jamais eu. Alors là, je vais sauvegarder. Et puis on va faire la fin de ce truc là. Certainement rempli de bourbaki encore. Certainement rempli de bourbaki. Mais bon, hein, on n'a pas le choix. Faut se faire les bourbaki. Faut se faire les bourbaki. Sauf que j'aimerais bien qu'on se fasse qu'on casse la gueule à la petite sœur, histoire de d'avancer autre part. J'aimerais bien qu'on casse la gueule à la petite sœur. Allez, à la forêt. それは… いや、適当に言うただけ。なんかこう… そうやね、認めるわけちゃうけど。ななの。いつも、変国の。空気は読まれへんけどね。それは全…センちゃんもおらんし、まだ目的は果たしてないけど、絶対にか…私もです。これからも。はいはい。前…On va tous les défoncer. Oui. À deux comme mon bon vieux temps. Allez, vas-y. À deux comme mon bon vieux temps. Moi, ça me fait pas peur. Tiens. Dix, d'accord. Là non, franchement non. 40 ? Ah, 40, ça peut être sympa, 40. Même si je pense qu'il m'en faudra plus, mais 40 c'est pas mal déjà. On va commencer avec Ray. Allez, vas-y. Là quand même, elle a pris tarif. Hein. J'ai pris tarif. J'ai pris tarif. J'ai pris tarif. Allez-y. On va jongler entre les deux là, en attendant d'en avoir 4. Mais je crois pas qu'on ait les 4 tout de suite. Je crois qu'on les aura à la fin du. Pas du jeu, mais à la fin du. Ah, fin du truc. Ouais, non. C'est bon, on n'avait pas d'autres. Ok. Ah non, t'inquiète. Là. Il a pris tarif, lui. Pourquoi il a pris tarif? Enfin, pourquoi il s'est envolé comme un caca? Je sais pas. Vas-y, donne. Donne-moi tout ce que tu peux me donner, ouais. Moi je prends. Hein. Allez, en avant! On va taper. Ah non, là, par contre. Être coincé dans un coin avec un faucheur, hein. Enfin, avec un canasson, c'est pas bon. Ah non, bah tiens, il voulait pas. Il voulait pas de ma blette de décapitation. Si tu voulais pas de ma blette de décapitation, fallait le dire. Ouh, ça va être donc. Hop!
comment je me balade là. Ah, fais-moi un peu mal. Ah, vas-y. Allez, hop. On va laisser un peu Ray, Ray sympathique. Il y a des... Ouais. Ouais, d'accord, ils peuvent quand même... C'est pas grave, on est bien. Là, par contre, peut-être qu'on va plus utiliser les comment ça s'appelle, les potions là, comme on est que deux. Je sais pas si on pourra. Elle fait 200 par attaque. Hein. Hop. Pourquoi est-ce que c'est force attaque up maintenant? Il veut me faire attaquer plus fort, c'est quoi le truc? Alors, le titre du chapitre, c'est Infection de pointe. Alors, j'ai peur. J'ai peur parce que si un titre te dit Infection Point, ça veut pas dire je vais manger des fraises. Ça veut dire que quelqu'un soit va mourir ou soit va être possédé ou soit enfin à terme. Enfin, donc à voir quel sens ce titre de chapitre prend. J'ai un peu peur du sens de ce chapitre. Tiens. Oh, Shorebreed, ça veut dire quoi, Shorebreed? Ah oui, cure bleeding. Ah oui, mais non, mais... Pas besoin de l'anti-bleeding, moi, je bleeding pas. Je bleeding pas, monsieur. Tu peux me donner autre chose? Non, non, c'est un coffre. Tu la vends là-bas. Ok. Ok, d'accord. C'est à la gauche que ça se passe. Ça me dérange pas. Donc on avance. On avance, on avance. Excusez-moi, je me mate l'oreille. Voilà, c'est bon. On peut continuer. Un peu Ray. Allez, vas-y. Ouais. Ah,
打ちほどぼせ、これで決める。死んで、je te garde en visu. Voilà. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. En plus, là, comme je vais avoir plein de nouveaux stuff, je prends. Par contre, là, on va éviter. Je suis content d'avoir eu le temps de te tuer. Alors que j'ai marqué un temps d'arrêt. J'aurais pas dû marquer un temps d'arrêt, mais je l'ai marqué quand même. Et ça a quand même suffi pour te tuer, donc je suis très très content. Normalement, au prochain combat, au prochain ennemi tué, je vais augmenter mon niveau. Donc ça devrait être bon pour faire juste toute la vie. Je joue volontairement avec le feu parce que voilà, ça peut être Allez, viens là, mon gars. À 50% de patate en plus, elle va te défoncer les ennemis là. Je peux pas la faire. Attends. Je peux pas la faire venir vers toi là. Allez, viens là. On va taper. Oh mince, elle a plus son boost. Là. C'est pas grave, je prends quand même. Ah, elle va level up aussi. Yes, ça c'est bien. Alors apparemment le niveau maximum c'est 99. Hein. J'ai lu que pour avoir le, il y avait un trophée avec le truc comme ça. Donc on verra bien à ce moment-là comment. Quelle forme ça prend. Donc, je pense qu'après il y a un moment avant le boss final il y aura un ordéal, donc une zone avec plein de mobs super généreux en points de. En point d'XP, donc voilà, je pense que c'est comme ça que je monterai. Alors est-ce que ça vous plairait que je fasse le platine avec vous? Est-ce que vous préférez tout juste l'histoire? Moi en vrai là, j'ai envie de vous dire juste l'histoire quoi, ça peut être pas mal. Parce que c'est pareil, j'avais fait Dessin Request 2 avec sur Twitch, mais j'avais pas fait la deuxième run qui était en fait la run secret dévoilée, si vous voulez, la run complète, on va dire ça. Donc en vrai je l'avais pas fait en live parce que après je m'étais dit ouais non, ça va pas être bien pour regarder quoi, parce que bon c'est le même jeu, c'est juste 2-3 trucs en plus, mais bon là pour un joueur qui adore l'histoire comme moi je le fais quoi. Alors pour des gens qui ont quand même qui veulent suivre l'histoire, voilà quoi, le platine c'est pas forcément sans que là en boucle là c'est un jeu qui s'octroie des boucles de base, donc en vrai je pense pas vous faire le platine sur ce jeu. Moi je le ferai de mon côté hein, parce que c'est un jeu que j'apprécie et qui m'a pas mal touché, notamment par son scénar. Pas tant son scénario global, mais sa direction artistique
notamment au niveau des flashbacks qui sont juste magnifiques. Et des propos aussi. Les propos sont... Enfin, c'est très 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 dur hein, comme propos. Hein. Pas tout le monde qui peut jouer à le jeu. Je dis pas qu'il est dur, hein, je dis pas ça hein, dans la difficulté de jouabilité, mais dans le propos qu'il raconte, non, il n'est pas à mettre en cause. Même moi, je suis pas. Enfin, vous l'avez vu au cours du let's play, hein, il y a des fois tu fais ah, d'accord. Même en sachant ce qui, enfin, même en faisant des suppositions que je voyais venir quand même, notamment en Amélis, sa relation avec Truc, et puis après coup à Mirai, l'identité de Mirai au sein du purgatoire, où là je l'ai vu, c'est plus par rapport à la première fois, j'étais non, et puis après quand il repense, pourquoi Namélis veut se venger et tuer Mirai, ça n'a aucun sens. Sachant que bon, ils se connaissaient pas, et Rei se connaissait pas quoi. Donc, pourquoi est-ce que elle veut se venger Puis après, t'apprends après, tu recoupes, hein. Tu dis ouais, non. Au milieu de la première run, t'apprends que voilà, c'est bien le revenant de princesse qui est venu chercher la meilleure amie de Rei. Tu fais ça pue un peu du cul, pourquoi est-ce que machin et tout, puis après bah, tu comprends quoi, tu dis ouais non, c'est parce qu'elle elle l'a voulu pour elle toute seule quoi. Il montait juste son background. Mais ouais, j'avais des trucs et j'ai fait non, franchement, on est en train de courir pour sauver la méchante quoi. Et ouais, on était en train de courir pour sauver la méchante quoi. Par contre, ce qui est bien, c'est que à chaque loop, c'est pas comme dans Bravely Default, à chaque loop, on a une direction d'histoire différente. Là, avant, Mirai se serait jamais montré quoi. Parce que Mirai, c'est pas quelqu'un qui se montre. C'est pas quelqu'un qui se montre Mirai en tant que antagoniste tout de suite quoi. Elle est en mode non, je suis douce, je suis la petite sœur et tout. Et c'est normal pour un méchant. De faire ton truc et de te dire bah les gentils bossent pour moi en fait. C'est vachement intelligent. De te dire ouais, que les gentils bossent pour toi. Surtout que bon, elle avait la cible idéale pour faire passer à Namélis pour la revenant princesse quoi. C'était une cible idéale parce qu'elle était en mode Elle s'est amusée avec Rei et Mirai au départ. L'autre, elle avait aucune raison Elle avait aucune raison de faire autre chose. Eh, viens là, toi. Non mais t'es sérieux là? Donc franchement ils sont pas cons, puis Anamnesis elle avait deux objectifs, devenir assez puissante pour pouvoir faire un revival. Et bloquer la revenante princesse dans sa quête de pouvoir quoi. Que la revenante princesse elle était plus dans le purgatoire quoi, elle pouvait pas bouffer des âmes comme ça. Alors d'accord, elle restait puissante ça.
Mais bon, je pense que ces deux ans dans la terre ferme, ça l'a pas. Elle avait pas une ressource limitée pour les âmes. Maintenant, penchons-nous un peu plus sur les observatrices. Les observatrices, quand même, savaient que Anamélis devait parler à la princesse. Déjà, d'une, elles l'ont rien dit. Et c'est vrai que c'est con, parce que quand tu sais, même au milieu de la première partie, elles ont tout pouvoir sur le truc. Ils disent attention, la revenant princesse, faut la boucler. Enfin, elles sont au courant de son identité d'ores et déjà, en vrai, quand elles te disent ça. Et au deuxième et tout, tu penses pas, tu sais, tu penses oui et tout, elles font... au cours de la première, tu fais ouais, elles ont leurs propres objectifs et tout, machin. L'autre est un peu cruel, mais l'autre, ok, elle est assez... C'est Féless, je crois. Elle est assez droite, si tu veux, dans ses bottes. Mais là, t'apprends que Féless, elle est aussi dérangée que sa sœur. Et c'est pour ça qu'elle fonctionne super bien ensemble. C'est les deux faces d'une même pièce. Yuki no hime no koto desu. Hontou ni betsu no sonzai nara Anamu. Tashika ni. Soyu koto ni naru uchira no dare mo uchira no mae ni arawareru ka. Non, t'as juste croisé Mirai avec un truc rouge. Juste signe. Mazu wa no saki. Sou desu. Donc voilà, hein, le truc de dire ça, c'est pas ah, ça par contre. Odoroita wa. Ça, par contre, on l'avait pas vu. Ah, je suis surprise. Autant de pouvoir, autant de tes pouvoirs de revenance t'ont été retournés. Et c'est pour ça que dans la première run, Anamnesis bloquait Mirai. C'est pour éviter qu'elle soit. Enfin, qu'elle reprenne du poil de la bête, quoi. Parce que c'est une menace. C'est une putain de menace, Mirai. Ah, je suis surprise aussi. Une âme avec laquelle j'avais joué est devenue un revenant et m'a fait revenir dans le purgatoire. Tu penses que c'est un jeu? C'en est pas un. Je n'ai rien à faire de ce que tu penses. C'est juste l'histoire de ma revanche. Je vais te faire ah mais franchement autant le faire la boucle, c'est chiant, c'est embêtant, excusez-moi, c'est embêtant, autant avoir ce petit truc, cette petite pierre à l'édifice pour comprendre tous les points de vue, c'est cool quoi, c'est là que tu sais que ce jeu a été écrit. D'accord, il n'a pas été écrit pour faire du, enfin, pour faire du, comment, de l'attaque des Titans, mais il a été écrit. Là, on va faire ça, on va faire ci. Voici pourquoi, voici machin. Non, c'est waouh. Alors, je te ferai vivre l'expérience de savoir, enfin, de savoir comment on se sent quand on est séparé de quelqu'un qu'on aime. Je vais tuer Ryatada juste devant toi. Juste histoire de te faire entendre ses tombes. Si c'est une blague, je ris pas. La seule personne qui peut faire n'importe quoi avec ma grande sœur, c'est moi. Sa petite sœur. Je vais te montrer. その旗だれに逆に殺されたんじゃなかったの？おお、旗だに食べパチュエ？そうだよ。そのおかげで、お姉ちゃんが私だけを見てくれるの。え、seulement focus sur moi。罪悪感
んて人を縛りつけるのにいいと思わない？ N'est-ce pas la voix la roi roi n'est-ce pas la roi la voix royale pour Bind pour mener quelqu'un jusqu'à toi? Une personne qui m'était chère a été prise par quelqu'un lunatique. Okay. Il semble que la lunatique princesse ait besoin de discipline. Je ne veux pas montrer ça à Lexis, donc, je ne ferai pas ça très longtemps. Désolé, Miss Dole. Je crois qu'en fait, là, elle lui dit « Ouais, enfin, je vais t'éclater là, j'ai pas le temps à perdre. » Tu penses toujours que je suis ton jouet ? Enfant arrogant. Et je vais te briser. Oui, donc pendant que les deux étaient là, les autres, les deux, est-ce que ça... Attends. On est à 50% du truc là. Quand tu vois que le tracé est à 3-4, c'est pas. On est à 50% de la zone. Oh, c'est bon, on casse pas les têtes. Bon, je vais éviter de. Utiliser mes pouvoirs sur un canasson, comme ça. Enfin, mon outil sur un canasson, de faire apparaître mon gardien sur un canasson surtout. Le canasson, je le ferai après pour le bloquer. C'est bon, je peux taper. Ah, t'es bloqué là, hein. Ah, t'es bloqué là, mon gars. Allez, viens là que je te. Ah, il y a une fleur de base. Oh, t'inquiète. T'approches pas, moi, je veux bien. Hein. Le canasson, je veux bien, t'approches pas. Hein. Moi ça me va. L'autre elle ne boit pas, c'est très bien, je vais pouvoir choisir un endroit où je vais me foutre sur sa tête là. Oh d'accord, il n'y a qu'une seule voix. Allez viens là. C'est bon, tu m'as vu? Ah, oh, c'est bête. Je t'avais vu le premier. Alors, ça. Ouais. Après, on retournera à gauche. Ah, tu fais pas si mal. Allez, mange quoi ça. Voilà. Aperçois-toi de ma présence une fois que je t'ai. Que je t'ai tapé, c'est très bien. Ah,
N'empêche, ils font beaucoup de... C'est drôle que là les dragons ils ne lancent rien. Là le fait qu'ils lancent pas leur truc là c'est ça les rend un peu enfin ça les rend beaucoup moins impressionnant. Là, je viens de tuer ton boss. Là. Alors, tu vas faire quoi? Ah, tu vas faire quoi? Viens là, toi. Et voilà. Vas-y. Donc demain je ferai certainement je ferai la forêt. J'adore le truc de la forêt parce que c'est là où on peut avoir plein de révélations plein de flashbacks. Alors c'est vrai que celui-là en vrai le premier truc on n'avait pas de flashback. Enfin, moi je sais que j'avais été frustré de ça, du fait de pas avoir de... Ah attends, viens, attends. Ouais, c'est bon. Alors attends. C'est cool, j'ai gagné un niveau avec Coco. Et c'est cool, ça montre que le fait de faire toutes les... de cleaner une map, c'est pas mal. Flapjack. Flapjack. Bon bah écoute hein, j'en aurai pas puis c'est tout hein. Faudrait que j'aille de l'autre côté. Ok d'accord. On va aller de l'autre côté. Étant donné que là on a déjà 36 000 trucs, est-ce que c'est vraiment utile de faire autre chose? Je pense pas.
que sinon après on va pas pouvoir prendre le new mémoire. Bah si. Si si, donc non on va pas. On va pas aller prendre le reste là, c'est bon. En plus là, ouais, non. Ah, j'aurais dû le garder ça. J'aurais dû vachement le plus le garder. Là, ça va être pour rien. Là. Allez, je prends. Je veux bien être niveau 55. Hein. C'est à 5 niveaux du niveau que je veux être en battant le boss de fin du scénario au minimum. Donc, quand je fais un RPG, j'aime bien être niveau 60. Après ça dépend hein. si le jeu c'est comme le FF8, ça sert à rien de plus de 60, mais bon. En fait, chez FF8, j'ai toujours fini au niveau 100. Niveau 100, mais avec pas mal de comment ça s'appelle. Vous savez, avec toutes les magies associées, les puissantes et tout. Histoire de faire des lumières. À 9999 et bah alors, tu m'avais pas trouvé. Je te manquais pas, c'est ça? Si je croise un rouge, je me casse hein, parce que bon, j'ai pas envie de. Au pire, pour les mémoires des morts, on verra sur un. On verra sur un, comment ça s'appelle. On verra au point de vue désordé. Ah, c'est bon. Ah, tu croyais que j'allais me faire avoir? T'es dans un cul-de-sac là, mon gars. Tu prends tous mes coups d'épée là. Yeah! Ah, c'est GG! GG, tu l'as défoncé! Allez, on va éviter de prendre des trucs d'autres. Alors, Anamnésis, est-ce que t'es encore vivante? La question à 10 000 dollars. Même si j'aime pas les dollars. Ouais, vas-y, je prends. See you again soon. Ah bah vas-y, see you again soon. On commence par Coco. Coco. Anamnesis. Oh, c'est ironique te voir
うちらが出会うのに、お前がうちの人生を振る。そうかもしれないわね。わ、それはこれからも変わらず、少し疲れたわ。手伝ってくれるわよ。うちは自分が主役なんて失った人生の清算を。アナムネシス、お前見てまえ。うちらの物語、復讐を果たせなかった私の幕切れとしては、そう悪くない。ce n'est pas une mauvaise voie pour moi depuis que je sais que je ne pourrais que je ne enfin je n'aurai jamais ma vengeance quoi. Orokane. Donc là bah là, ça va être la mort. Bon, ouais, je l'ai activé tout de suite parce que bon, c'est un Anubis quoi, c'est celle qui lui a pris son enfant, voilà quoi, c'est pas. Mais j'avoue, le fait de. On est bon là. Allez, c'est mon carotte en scène, c'est plus la même. Je suis désolé, hein, mais là, je te défonce un peu trop vite, mais. Parce que là, les bourbatons sont contre toi, donc normalement, là. Là, il n'y aura personne pour te sauver. C'est là que tu vois que c'est sa mère quoi. Elles ont les mêmes attaques, bordel. Ça, c'est ma vengeance pour ma première run. Vas-y, mange. Got new mémoire. Ça. 最後に。あら、そうね。誰なんですか？私にもわからないわ。名前も。うちもそうや。うちの大切な子は生まれてくる前に。ディオゲネス。ごめんな。ねえ、メフィスちゃん。え、メフィス、tu crois pas quelque chose qui va pas？ そうじゃな、フェレス。Je suis d'accord, Féleste. Ah d'accord, donc elle, avec les lunettes, c'est mes fils. Je suis d'accord, Féleste, c'est beaucoup trop une fin anticlimatique. Alors qu'en fait, on a tout fait pour avoir la meilleure tragédie. Le genre qui me fait rire de manière incontrôlée.
merde, c'est le pire. Avec une fin aussi ennuyante, on n'aura pas d'idée. Je sais quoi faire. Par chance, on va changer un peu les choses. Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ré, よまいごともいい加減にしろ。恵み、ばそうま。いい加減にしろと言っている。こんな姿ですもの。お願い。ふざけるな。私が頼りないせいで、聖四郎さん、父さんと別れたのも、私があの人の正義を信じてあげられない。お願い、最後に、 母さん、よく聞いて、母さんは不動心は私が仇だって思い込もうとしていたの。私は自分が楽になるために誰かを犯したかっただけ。je n'ai jamais fait de mal à sa famille. Elle avait juste besoin de quelqu'un à blâmer. Et cette personne, ça a été moi. Kokoro-sama. Comment ça peut être? Kokoro n'est pas comme ça. Je l'ai supplié jusqu'à la toute fin. Je voulais juste qu'elle sache que je n'étais pas la personne à laquelle elle était après. Je lui ai dit que j'étais ta mère et que je voulais te voir. Elle a ri tandis qu'elle me frappait encore et encore. Comme si elle s'enjaillait de sa vengeance. J'étais tué à cause des illusions de Kokoro Fudoji. Est-ce que tu pourras faire ma fille? Tu peux obtenir la revanche sur Kokoro Fudoji, la seule qui a tué ta mère? T'es sérieuse là? Ok. Dramaturgie Distorted, c'est distordu. Alors déjà on va faire organisme, parce que bon, j'ai pas envie de faire 36 millions de fois la même chose. Ouh, c'était nouveau, c'est nouveau ça. Ah non, peut-être pas. Par contre là c'était franchement perturbant. Non, mais on va faire Relative Happiness. Relative Happiness, je peux le mettre ou pas? Ouais, je peux le mettre. Donc ça non. Ah, attends. On va déjà lui faire porter Relative Happiness. Bah, déjà que dans Kokoro, dans la première run, elle meurt des mains de Sen, et Sen meurt des mains de Kokoro. Dès le départ, donc ça
C'est un peu facile quand même. Bon, en même temps, l'autre est... Elle voulait simplement revoir sa mère. De toute façon, là, à un moment... Ma mère. Là, 150 le truc. Non, elle était pas à 150, là, elle était à 220. Non, mais là, il me faut un 3 là. Alors, là, par contre, là, je vais pouvoir faire quelque chose. Ah, enfin. Relative happiness. Hop là. Okay. Modifier le sentiment. Ah non, là, certainement pas. L'autre, magic attack plus 10%. Non, non. Non plus, s'il te plaît. Donne-moi un truc un peu physique. Là. Voilà, là, je suis content. Mandale plus 10, ah non. Ah là c'est mieux. Là c'est mieux. La Shadowlight. Ouais non là on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout un peu là. En vrai. Parce que là il n'y a pas trop de trucs sympas. Ah, un revenant d'un homme, je sais pas, vos voix, burglar, je crois, je suis pas sûr que ce soit très gentil. Il pensait que le monde était irraisonnable. Il y avait un certain nombre de choses qu'il cherchait, mais qu'il n'arrivait pas à avoir. Il avait besoin de monnaie pour obtenir plein de choses, mais des choses que l'argent ne pouvait pas acheter. C'est pour ça qu'il commença à voler. Pour être heureux, il a volé ce qu'il recherchait. Il a perdu son objectif et c'est... comment ça s'appelle, Slipette s'est tombé, mais de manière involontaire, quoi, c'est glissé. Et il a glissé. Il a vu son visage triste alors qu'il tombait à travers la fenêtre. Enfin, est-ce qu'on l'a poussé ou pas? En tout cas, il a eu son petit truc à efface. Un des plus anciens revenants. Il avait montré une loyauté à un revenant qui se faisait appeler le Revenant King. Il n'a pas de mémoire de sa vie et a passé beaucoup plus de temps dans sa vie de revenant. Il en a beaucoup plus vécu dans sa vie de revenant. Chaque revenant connaît l'existence des Ludea. Il y a longtemps déjà, le Revenant King a,
a défait le manager du purgatoire. Lydia recristallisée est devenue l'Alcéa. Ça a permis, enfin, ça a même affecté le monde réel, créant des miracles. Le Revenant King a éventuellement a été défait par un nouveau plus puissant manager. L'original manager a été redélégué à la collecte des âmes. Alors qui c'est ? Un revenant d'une femme qui a un pouvoir incommensurable. Elle a piégé Rail et Miral dans le purgatoire pour son propre objectif. Kokoro souhaite se venger d'elle. Talk with Kokoro. Eh ben, je ferai pas ça. Je ferai pas Kokoro. Je ferai d'abord Anamnesis. Je la retape deux fois. Et après, je ferai l'Ordéal 3. Je crois, hein. Ordéal 3, hein, ouais. Donc voilà. Donc c'est ça, l'infection de pointe. En plus, ça, c'est même pas la Mésis, hein. Parce que l'autre, c'est... Alors, je sais pas si c'est les managers qui ont... Mais je pense pas, hein, parce que... Anamnesis aurait pas dit à sa fille, venge-moi, tu la mère qui a tué la tienne. Non, elle aurait dit, ne m'oublie pas, quoi. S'il te plaît, cultive ma mémoire, moi, et qui a été dépossédé. Ou alors, elle aurait dit... Non, mieux, elle aurait dit, oublie-moi. Laisse-moi partir, oublie-moi. Parce que... à la fin du deuxième cycle, elle dit, ne regarde pas. Une mère ne doit pas regarder... Enfin, une enfant ne doit pas regarder sa mère, moi. Enfin, ne doit pas avoir sa mère, moi. Et c'est beau, c'est beau. Anamnesis est restée une mère de bout en bout. Bon, pour obtenir le revival, elle a pris des âmes, et elle a pris aussi celle de l'enfant de Kokoro, quoi. Et le mec de Kokoro, mais de base, c'est... Mais en fait, ce sont des... Voilà. Mais non, très 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 bon. J'imaginais pas. Voilà le point que j'imaginais avoir durant ma première run, c'est-à-dire là on poursuit la muse 10, voilà. Donc ça. Je suis content d'avoir été frustré parce que on n'aurait pas eu. C'est très bien le fait que ce soit développé comme ça. Pour le coup, moi je vais vous laisser. Parce qu'il est déjà tard. Je vous retrouve demain après-midi. Ou demain soir. Peut-être demain soir. Pour la suite des aventures de Rail. De Kokoro et de Nanana. Je suis pas sûr que ça se fasse avec Sen. Hein. On verra bien. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt. Des bisous. Et puis voilà. Ciao, ciao. J'adore le Oyasumi Nasai. Bah, tiens. Oyasumi Nasai, donc portez-vous bien, dormez bien. Oyasumi Nasai. Ciao, ciao. Bye.